rendez-vous de luxe, d'ici et d'ailleurs. Capucine Grabi, bonjour. Bonjour. On vous souhaite tous nos voeux pour cette meilleure année. Merci. Pour cette nouvelle année. Vous m'avez... Meilleur vœu de voyage. Oui. Bah ouais, ouais, ouais. Il y en a un qui est prévu très prochainement d'ailleurs. Ah, ça c'est bien. Parce que vous, c'est un peu votre truc. Hein. Toutes les semaines, on vous retrouve. Et on vous retrouve bien sûr sur mymoonspots.com. C'est là où vous nous donnez toutes vos bonnes adresses et les moments d'exception qui vont avec. Alors aujourd'hui, attention, c'est frissons sur la tuile. Alors dit comme ça, il va falloir nous expliquer. Alors, après le hareng, la tuile, là, début d'année. La tuile, c'est une station de ski italienne. Ah. Et j'ai testé le ski en Italie, dans la vallée d'Ost. Hein, on ne dit pas Aoste, mais Ost. Je ne sais pas si vous le saviez, Emmanuel. Non. Et le ski en Italie, c'est quand même tout un programme. Dépaysement garanti, ambiance électrique dans les chalets d'altitude. Vous saviez qu'il y a des boules à facettes, de la musique limite techno. Ah, mais quelques stations chalets françaises le font aussi. Hein. Ah, là, vous allez me parler de Val d'Isère, par exemple. Oui, mais c'est quand même... à un ou deux endroits en France. Là, je crois qu'en Italie, c'est quand même assez récurrent. C'est assez récurrent. Enfin, moi, j'ai fait deux, trois chalets, ils étaient tous comme ça. Et puis, ce qui est sympa, c'est qu'on mange bien aussi dans les chalets d'altitude, les gnocchis à la fontine. Vous avez déjà testé ? Oui. Le fameux fromage italien, c'est absolument délicieux. Donc voilà, c'est un mélange de disco et de gnocchi à la fontine. C'est plutôt sympa. Et puis le nec plus ultra, c'est évidemment les hôtels contemporains et design qu'on peut trouver là-bas. Et j'ai voulu mettre l'accent sur l'un d'entre eux qui vient de s'ouvrir donc à La Tuile. Donc en Italie, à quelques kilomètres de Courmayeur. On est à une quinzaine de kilomètres de la frontière française. Et donc c'est un peu assez audacieux. Il y a un entrepreneur indien installé en Angleterre depuis une quarantaine d'années qui a fait ses classes au Raffles ou au Hyatt, qui a déjà ouvert 3 ou 4 hôtels à travers le monde et qui a décidé de s'installer dans ce petit village complètement inconnu. Ah, vous le connaissez, dans un petit village. Hein. Voilà, c'est petit village, petit hameau par rapport justement à Courmayeur qui attire la jet set milanaise. Là, il y a une chocolaterie, une fromagerie, il n'y a pas grand-chose. C'est très joli, c'est très traditionnel, il y a des jolis toits en lauze, mais il n'y a pas grand-chose. Alors pourquoi il s'est installé là-bas? J'ai essayé de gratter un petit peu le vernis. En fait, il y a un potentiel extraordinaire. D'abord, le domaine de San Bernardo, qui fait à peu près 160 km de piste, qui relie La Rosière en France et qui est équipé de cette fameuse piste à 73 degrés. Je ne l'ai pas testé. Ah, je ne l'ai pas testé. 73 degrés qui va. C'est déjà beaucoup comme déclinaison. C'est pas mal comme déclinaison. Et ça va accueillir donc la Coupe du Monde de ski qui aura lieu en 2016 dans cette station. Et puis, la station de la Tuile, c'est également un spectacle assez époustouflant parce qu'on a d'un côté le massif du Mont Blanc, de l'autre le Cervin et puis le fameux glacier du Ruitor qui est très connu du côté italien. Alors, c'est dans ce contexte que le Nira Montana a vu le jour, donc avec un pari sur le potentiel extraordinaire de cette station. Alors, tout est joli, le style alpin, l'architecture typique de la vallée d'Ost, les toits en lauze, on l'a dit, le travail du sapin, donc, avec beaucoup de bois qui a été récupéré dans le vieux maso du coin et réintégré, réincorporé intelligemment à l'intérieur de l'hôtel. Et puis, ce qui est sympa avec un hôtel qui se crée de toutes pièces, c'est évidemment que l'architecte a pu travailler les volumes. Et là, on a beaucoup d'espace. Il a beaucoup investi hein, dans les matériaux. On sent que il s'est investi. Alors, il y a un espace qui est très est très, très géométrique, donc on sent qu'on a beaucoup de place. Effectivement, il y a une part belle qui a été faite aux matériaux avec, on l'a dit, la lauze, le sapin, le chêne, beaucoup de luminaires. L'empreinte de cet hôtel, c'est effectivement les luminaires avec les lampes Foscarini qui sont assez omniprésentes. Il y a beaucoup de murs végétaux également, c'est assez novateur. Des murs notamment en bouleau qui séparent certains espaces, notamment dans la salle à manger. Donc 55 chambres, 10 suites, une piscine, une salle de conférence. Et puis, ce qui est un point important pour les familles, en Italie, je ne sais pas si vous le saviez, mais on peut skier, les enfants peuvent skier gratuitement jusqu'à 8 ans. Voilà, c'est un point. On voit la maman, on a vu la tête de Carrie, tout, mais prochaine vacances. Juste une question, ça c'est pour Emmanuel et moi, spa et hammam à l'hôtel. Spa et hammam, oui, hammam, super, et piscine avec... Et un peu de gastronomie, ce qu'il avait les Dost. Bah, Dost, je l'ai dit. C'est tout de même on mange divinement. Au-delà du jambon, des fromages, du chocolat... Mais je vous l'ai dit, je vous ai parlé de la chocolaterie de la Tuile qui est formidable. Comme on est tout près de la frontière, si vous ne parlez pas italien, ils parlent tous français. Bah vous avez 100% raison. Ah oui, c'est un petit coup de France en vérité. Hein. C'est incroyable. Ouais, on pourrait la récupérer. Et alors notre expérience. Alors l'expérience, j'ai voulu mettre la chance. 73%. Voilà, 73% si vous voulez. On peut faire plein de choses, hein, ski alpin, raquette, motoneige, chien, traîneau. On peut même faire du VTT sur neige. J'ai quand même voulu mettre l'accent sur un truc extraordinaire que je n'ai pas fait parce que moi je suis pas assez forte en ski. Mais du côté italien, vous savez qu'on peut faire des déposes en héliski. On ne peut se faire déposer que du côté italien, ouais, pas du côté français. C'est interdit en France. En revanche, on peut se faire déposer du côté
côté italien et descendre du côté de la Rosière. Et là, vous avez 5 à 6 heures absolument extraordinaires de descente, donc dans la farine, des rencontres avec personnes que vous croyez. Des sapins, avec des rochers. Je voudrais quand même vous raconter une petite anecdote que je trouve extraordinaire. Un guide m'a raconté qu'il y a quelques années, il était tout seul en haut du Ruitor, donc on se fait déposer en haut du glacier du Ruitor. Et là, il a rencontré, je vous le donne en mille, une personnalité hyper connue qui se baladait là avec des gardes du corps. Alors, vous avez une idée? Un chef politique. Poutine, ouais, ouais, moi j'aurais dit ça. Eh bien, pas du tout. Imaginez-vous que Jean-Paul II était là avec ses escort boys en train de se balader en haut du glacier. Jean-Paul II avec ses escort boys. On commence bien l'année. Là, oui. C'est quasiment le Vatican. C'est bien parce qu'on est le 2 janvier. Mais en fait, Jean-Paul II était un accro de la montagne. De la montagne, oui. De la montagne, à longue place. Il fallait au moins qu'on commence l'année avec vous pour raconter cette anecdote. Et tout ça, on retrouve bien sûr sur mindmoonspots.com. Ils en passent des mails, sur mindmoonspots. Les le closet à Louéa. Allez, l'agenda. Goût de luxe Paris. Ajoutez une étoile à votre week-end sur BFM Business. Vous avez arrêté les bars pour cette nouvelle année. Vous avez pris de bonnes résolutions. Vous mettez au café, Emmanuel. Allez, au café rapidement. Ça ouvrira dans un mois quasiment, le 6 février exactement. La première boutique de la brûlerie Caron. C'est l'une des dernières grandes brûleries parisiennes de café. Alors, ce qui est intéressant, puisqu'on était dans les anniversaires, c'est qu'elle fêtait ses 40 ans cette année en 2014. Elle prolonge bien l'année 2015 en ouvrant donc du côté de la rue Notre-Dame d'Azareth. Rue Notre-Dame de Nazareth, c'est dans le 3e, au 32 exactement. Alors, cette brûlerie qui se voudra tout à la fois coffee shop, école, laboratoire de café. Pour la petite histoire, c'est un peu pathétique, mais on va quand même le dire, parce que je pense que la maison mérite mieux que tout ça. On pourra, et on peut d'ores et déjà, en tapant www.brûleriecaron.com, commander sa tasse de café, un café par extraction, à froid, extraction lente, puisque pour extraire ce café, c'est 10 heures. D'accord. Ça, c'est un peu ridicule, mais la boutique sera pas mal. Mais maintenant, vous pouvez réserver dès à présent pour avoir votre brûlerie dans 3 mois. Super. Enfin, votre café, votre tasse de café. Et moi, je vais vous raconter une belle anecdote aussi. Le lancement d'une marque de tissu dans une boucherie. Oh là là. Paris Déco-Off, à partir du 20 janvier prochain. Missia, créée par le groupe Casamance, c'est une nouvelle marque de tissu haut de gamme qui rend hommage à Missia Certes. Vous savez qui était Missia Certes? Et ben moi je l'ai appris, c'est la muse qui a su fédérer et inspirer les artistes et intellectuels du Paris des années 20. Et donc pour dévoiler cette première collection, qu'est-ce qu'ils font? Les tissus seront présentés dans la nouvelle boucherie d'Alexandre Polmar. Éleveur boucher, situé passage de la petite boucherie, ça s'invente pas, dans le 6e arrondissement de Paris. C'est Florence Vermel, la directrice artistique, qui présentera donc les soies texturées, les velours laminés, enfin tout ce qui fait. Les bouchers sont devenus des telles stars qu'aujourd'hui c'est eux qui accueillent. Vous verrez bientôt des défilés. Non mais où va-t-on? Où va-t-on en 2015 quoi? Où va-t-on? C'est une émission très surréaliste. Jean-Paul II, la boucherie, et le hareng. Le café, il faut attendre cette année. En fait, vous étiez en tout avec le café. Non, vous étiez en tout avec le café. En tout oui, mais c'est surtout eux. Non, mais c'est une belle brûlerie. Rendez-vous dans un mois. Ok, on y va. Merci beaucoup, Capucine. À la semaine prochaine. Allez, restez avec nous. Encore un tout petit peu de goût de luxe parce qu'on aime ça. Daniel Balavoine au Palais des Sports pour 8 jours à Paris. Des chansons et toujours des idées bien à lui. Daniel Balavoine, invité de cette édition. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, Daniel Balavoine, c'est l'anti-Starak, puisque là, on se retrouve devant une classe de gamins qui chantent ses chansons, alors que lui, il a fait ses classes dans des groupes de rock, il a galéré, il a connu toutes les galères des groupes de rock des années 70. Oui, mais en même temps... Aline et moi, je le sais, on avait des choses à dire. Evelyne et moi... De me supporter, j'espère que vous avez aimé le disque et qu'il faut en faire partie de la discothèque que j'ai à la maison. Je suis journaliste, maman. L'édito des informations de 95.2 à 18h30. 2 minutes et demie par jour, ils m'ont donné. Je vous ferai remarquer, monsieur le président, que vous allez avoir du mal car j'ai des inconditionnels ici dans la salle. Ça peut changer. Ils sont venus avec des pierres. Pour savoir sur Daniel Balavoine, balamed.skyrock.com.